les gauches à fond et ses 4 mètres au panneau droit à fond. Allez, 32 mètres, 32 mètres gauche, 83 bombes pour gauche, 83 bombes, 83 bombes pour gauche, 83 bombes, droite à 89 au plus, 89. Moi je fais de l'équilibre tout le week-end, mais vous allez voir que c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de place. Ceci dit, Thierry arrive à s'éjecter donc du véhicule. Attention, de l'autre côté il y a un trou. Thierry Costeras, donc on va se mettre face à la foule. Thierry, quand tu as pris l'engagement avec le numéro 1, tu pensais pas quand même arriver au bout comme ça, hein? Tu t'es dit 20 ans après, les petits jeunes ils poussent, hein? Oui, mais bon, j'étais confiant, j'ai dit à MR Jolès, que j'avais eu plusieurs fois au téléphone, j'ai dit bon, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans c'était autre chose, on avait une autre forme, on avait d'autres voitures, il y avait d'autres concurrents. C'est vrai que tu as perdu un petit peu. Oui, j'en ai perdu, mais je pense pas que ce soit le problème. Non, le problème c'est qu'aujourd'hui c'est très difficile, ça va très vite, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et quand on a 50 ans, c'est pas évident de suivre les jeunes qui sont vraiment, vraiment violents par rapport à nous, quoi, parce que nous on réfléchit peut-être un peu plus et voilà quoi. Mais c'est difficile, mais on s'est battu, on s'est régalé. Il y avait Jacques aussi, c'est dommage qu'il n'ait pas fini lui non plus, parce que Jacques il y a 20 ans avait fini second juste derrière moi. Et bon, c'est dommage pour lui, voilà. Ceci dit, tu fais pas les 50 ans, hein, donc il faut pas le dire. Non, je les ai dépassés, mais bon, c'est pas grave. Non mais bon, c'est vrai qu'en 89, pour ceux qui s'en rappellent, il faisait un soleil magnifique, il a fait le même temps qu'aujourd'hui. Je l'ai refait en 93 où on a eu de la neige, je crois un peu comme l'année dernière vous avez eu. Mais en 89 ça avait été une superbe édition, c'était le premier rallye, c'était Jean-Jacques qui m'avait fait venir, Caïs, et que vous pouvez tous regretter, c'était vraiment quelqu'un de très très bien. Il y avait Pierrot Guérin aussi, qu'on peut regretter aussi, qui avait fini second et qui copilotait Jacques Maraval. Donc c'est vraiment beaucoup de souvenirs en bas l'esprit ici et beaucoup d'émotions. Super. Et alors donc une grande première pour Adrien. Et une grande première pour Adrien qui a été une grande première pour Karine à l'époque. Et une voiture mémorable aussi, la Maxi. Oui, la Maxi, c'était une voiture mémorable, c'était quelque chose de magnifique que j'avais construit de mes mains, complètement, exactement comme cette BM. Donc c'est vraiment la passion, j'adore ça, quoi, monter des voitures, les faire rouler, les développer. Bon, c'est très difficile, c'est très long. Bon, c'est vrai que des fois, il y en a qui rigolent un peu, mais c'est pas grave, on y arrivera. Qu'est-ce qu'on peut dire aux organisateurs, président de l'ASA, président du VSA? Ben, je dis qu'ils ont un très beau rallye, qu'il faut qu'ils le conservent, parce que bon, c'est vrai qu'ils ont des routes qui sont magnifiques. Il y a du rapide, il y a du serré, de la montée, de la descente. Je pense qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, et pour les gros cœurs, c'est vraiment un rallye qui est magnifique. Super. Alors, tu ne bouges pas. Adrien, viens à côté de Thierry. Tous les deux, vous avez fait un bel équipage, et la victoire vous revient à tous les deux. Donc les spectateurs sont là, les photographes sont là pour vous applaudir. Adrien, c'était quand même une grande première, non? Ben ouais, c'est le premier rallye que je gagne, donc je suis très content ce soir. Ça fait 4 ans que je cours et voilà, premier rallye que je gagne. C'est super, non? Ah, c'est vraiment génial. Et Thierry, à côté, il crie pas trop? Non, ça va, il est pas trop. Voilà. T'as perdu un peu de la voix, comme le président d'ailleurs. Eh oui, voilà, c'est à force de crier. Il y a beaucoup de bruit dans la BM? Ben, c'est vrai.
C'est, puis les notes, bon, il faut déballer, quoi, donc. Ah, mais il connaît, 20 ans, il connaît. Ouais, mais ça a changé un peu les routes, en même temps. Là. Ça a évolué. Allez, ne bougez pas, je crois qu'on va vous amener de quoi fêter la victoire. C'est le président, monsieur les présidents, je vous laisse l'honneur de remettre à distance, messieurs. Voilà, non, pas par là parce qu'il y a son nom. Alors, moi je m'écarte un peu parce qu'on ne sait jamais. Voilà, moi j'ai le micro pour me protéger. Maintenant, il y a eu la messe ce matin, le baptême, ça va être maintenant. Si vous souhaitez vous rapprocher, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir la bouche. Hein. Voilà. Toutes les félicitations à Thierry Costerast, Adrien Bonicel sur cette BMW. Vous pouvez descendre aussi Thierry. S'ils sont un peu loin, vous pouvez descendre. Édition, 20 ans après. Une belle victoire. Les présidents, venez boire un coup, les présidents. Thierry, une 20e édition, qui aurait dit que 20 ans plus tard, tu pourrais remporter le rallye? Est-ce que dans 20 ans, tu auras envie de revenir à remporter ce rallye? Qui c'est là? Je pense que c'est pas que je n'aurais pas envie de 20 ans, mais je ne pourrais pas. Mais et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont mon âge, comme Alain, qui ne pourra pas non plus dans 20 ans le gagner, sauf vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Parce que déjà, on a passé la cinquantaine et c'est vraiment difficile, quoi, parce que ça va très vite. Et on n'a pas la même réflexion. Ouais, ils ont fait espérant de te laisser gagner. Peut-être oui, mais je suis bien content, mais si vous me laissez gagner tous les dimanches, ça ne me dérange pas. Ouais. Bravo. Allez, allez, oui, on a laissé gagner, on a continué. Tu voulais dire un petit mot avant de laisser la parole à monsieur Le Maire? Oui, je voudrais dire un petit mot parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, je ne fais pas mon premier scratch à moi, mais le premier scratch de Karine, qui est devenue ma femme depuis. Et Adrien aussi fait son premier scratch ici. Bon, c'est... Non, il devait pas parler, mais je lui ai dit déjà tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Et bon, je voudrais. J'ai quand même une pensée pour Jean-Jacques Caïs, que vous connaissez certainement tous. Je l'ai fait venir ici à l'époque. Et donc, c'est vrai que c'est un peu dans sa vie que j'étais venu. Bon, j'ai une pensée pour lui.